Surpopulation, la cause. L'augmentation du taux de naissance. Évidemment, le plus de personnes qui sont nées, la plus grande la population va être. Donc, s'il y a moins de mortalité de nouveau-nés, il y aura en temps plus d'adultes. Comme résultat, la population va croître. L'allongement de l'espérance de vie. Grâce à la médecine avancée qui peut sauver de plus en plus de personnes malades, dans le temps, il y avait plusieurs maladies qui étaient inguérissables, mais à cause de ces avancements médicaux, il peut maintenant les guérir. De nos jours, l'espérance de vie est en moyenne 69,92 années. Le cycle de la pauvreté. Le cycle commence avec des parents pauvres. Donc, pour augmenter leurs chances d'avoir des enfants qui peuvent travailler et être prospères, ils ont le plus d'enfants possible. Parce que ces enfants doivent aller travailler, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, donc ils n'ont pas une éducation. Le plus d'enfants qui travaillent, le plus d'argent qu'ils auront pour la famille et pour nourrir les autres enfants. L'influence culturelle. Dans plusieurs religions et cultures, le sujet d'utiliser des contraceptions est tabou. Dans quelques cultures, c'est mieux d'avoir des garçons que des filles, donc les familles auront des enfants jusqu'à ce qu'ils aient un garçon, ce qui peut entre-temps produire plusieurs filles. On a aussi la société qui influence grandement les mères à avoir plusieurs enfants. Dans les cultures où le seul rôle d'une femme est d'avoir des bébés, avoir une grande famille est réglementaire. En conséquence, la population mondiale augmente.